Tant que nous ne reviendrons pas au prix bloqué de l'électricité et au coût de production, il n'y aura pas de baisse des factures pour les consommateurs. Les fournisseurs vont continuer à s'engraisser comme ils l'ont fait. Personne n'a rementionné le rapport de la Cour des comptes. Je suis désolée, il est désastreux pour vous. Le rapport de la Cour des comptes qui dit que les fournisseurs sont partis avec le bouclier tarifaire, en ont empoché plus de la moitié pour réaliser plus de 100% de marge dans la vente d'électricité. C'est un miracle économique made by Macron sur le dos des Françaises et des Français. Et vous osez revenir avec une proposition d'augmentation de taxes qui va prélever 3 milliards d'euros sur les Français modestes, sur les classes populaires, sur les classes moyennes, alors qu'un Français sur deux galère à payer ses factures d'électricité, alors qu'il y a eu plus d'un million de coupures dans les foyers pour impayés en 2023. Vous êtes complètement fou. Vous n'avez pas arrêté de vous demander quel était le message que vous allez envoyer aux 143 familles les plus riches de France. Moi, je vais vous dire le message que vous envoyez aujourd'hui avec cet article 7 aux Françaises et aux Français. C'est qu'ils sont vos pigeons. C'est qu'ils ont beau travailler toute la journée, qu'ils soient salariés, patrons d'une boulangerie, ils doivent toujours payer de plus en plus pour réparer votre incompétence. Qu'en France, en 2024, il y a des gens qui vivent dans le noir parce qu'ils ont peur de leur facture d'électricité pendant que M. Woerth boit le champagne sur l'hippodrome de Chantilly avec ses amis.